voulons te dire merci, notre Père. Que tu sois glorifié, notre roi. Que tu sois béni, notre Rédempteur glorieux. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, mon Sauveur. Dans les cieux et sur la terre, tu demeures le Dieu des donateurs merveilleux, des tout doux excellents. C'est lui qui a donné sa vie pour que ses brebis aient la vie en abondance, Père. Nous te remercions de ce qu'aujourd'hui nous sommes là. Ô Dieu, un peuple que tu t'es acquis toi-même, Seigneur, pour démontrer que tu es le Tout-Puissant, mon bien-aimé, Seigneur. Ô Dieu, un peuple mis à part, un peuple dont tu es le berger, mon bien-aimé, Seigneur. Louange et honneur à toi, toi notre Seigneur Jésus. Tu as toujours eu un peuple qui t'appartient, mon Seigneur bien-aimé. Tu es le maître, mon roi. Tu es le grand je suis, mon bien-aimé, Seigneur. Oh, tu es le Seigneur merveilleux, patibissant, l'éternel, le grand roi. Louange et honneur à toi. Domine, mon bien-aimé Seigneur. Règne encore dans chacun de nous, encore aujourd'hui, Père. Nous sommes un peuple qui t'appartient, Seigneur. Que peuvent nous faire les hommes, mon bien-aimé, patibissant. Et le monde ne peut rien nous faire, mon bien-aimé Seigneur. Tu es merveilleux, mon bien-aimé, oh Dieu. Merci pour les sacrifices parfaits, Seigneur. Accompli à Golgotha, mon bien-aimé Père Saint, qui a fait de nous aujourd'hui des saints, mon bien-aimé Père Tibissant. Un peuple qui est loin de ton nom, mon bien-aimé Père Tibissant, pour témoigner tes œuvres, mon bien-aimé Père Tibissant, pour célébrer tes hauts faits, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu sauves, mon bien-aimé Seigneur. Aujourd'hui encore, tu ramènes, mon bien-aimé Père Tibissant. Aujourd'hui encore, tu sauves, mon bien-aimé Seigneur. Tu délivres, oh notre Dieu. Seigneur, notre cœur est dans la joie. D'avoir la main cachée, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, d'avoir cette parole bénie, oh notre Dieu, qui réjouit nos cœurs et nos âmes. Nous prions pour nos frères et sœurs, mon Seigneur. Oh, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque endroit, où ils sont encore à cet instant, mon bien-aimé Père Dieu. Qu'ils soient bénis, mon bien-aimé Père Tibissant. Que le cœur, mon bien-aimé Père, de chacun d'eux puisse se réjouir en toi. Parce que tu es le libérateur, mon bien-aimé Seigneur. Tu es venu pour libérer les captifs, mon bien-aimé Père Tibissant. Et pour le camé une année de grâce, mon bien-aimé Seigneur. Et nous y sommes, mon notre Dieu, un peuple qui t'appartient, mon bien-aimé. En combien nous sommes heureux, Seigneur. Rejeté, méconnu par les hommes, mon bien-aimé Père Tibissant. Mais connu par toi, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. Reçu par toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, enseigné par toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Et éclairé aussi par toi, mon bien-aimé Seigneur. Louange et honneur à toi. Nous avons un Dieu comme toi qui est notre maître, Seigneur. Notre enseignant, c'est toi, mon bien-aimé Père Saint. Béni soit ton Seigneur, mon roi. Oh Dieu, pour tous les dons, pour les merveilles que tu essaies d'accomplir encore parmi nos pères. Nous avons la victoire, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. Nous sommes heureux d'être à toi, mon Sauveur, et te servir encore aujourd'hui, Père. Oh, manifeste encore que ta grâce de réveil, mon bien-aimé Père Tibissant, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos subconscients. Seigneur, tu es le Dieu qui nettoie, qui restaure encore davantage, mon bien-aimé Père Tibissant. Que le cœur t'appartienne encore, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu en es digne, mon Sauveur. Notre vie t'appartient, mon Sauveur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y en aura jamais, mon Sauveur. Tu l'as dit toi-même, et nous le croyons, mon Sauveur. Avant toi n'a point été formé de Dieu, et après toi il n'y aura jamais de Dieu, Seigneur. Et, oh, tu ramènes ce qui était passé, Seigneur. Et nous sommes réellement dans la joie de savoir que tu es le Dieu de ta parole, mon roi. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui est le sage de sa sagesse, mon bien-aimé Père Tibissant. Ta sagesse est incomparable, mon bien-aimé Père Saint. Tu es l'auteur de la sagesse, mon bien-aimé Seigneur. Louange et honneur à toi. Oh, enseigne-nous à compter sur toi, mon bien-aimé Père Saint. Enseigne-nous à nous reposer davantage sur toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Béni soit ton nom, mon bien-aimé Père Tibissant. Béni soit ta puissance, mon bien-aimé Seigneur. Et ta force à toi et ton bras, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh, louange et honneur à toi. Oh, qui peut se comparer à toi, mon bien-aimé Père Tibissant? Quelle force peut comparer à toi, mon bien-aimé Père Tibissant? Tu es le Dieu tout-puissant, mon bien-aimé Père Saint. Tu es l'auteur de la vie, toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu es l'auteur de la vie, mon bien-aimé Père Tibissant. Notre victoire, c'est toi. Tu l'as dit que tu es pour nous un refuge, mon bien-aimé Père Saint. Un secours qui ne manquera jamais au temps de la détresse. Nous rendons gloire à ton nom encore ce soir. Et nous sommes consolés. Nous sommes réellement dans la joie, mon bien-aimé Père Saint. Parce que ton nom à toi est ici, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu nous éclaires encore davantage, mon roi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, donne-nous encore l'entendement, encore, bénis mes pères divisants, la compréhension encore des choses qui te concernent, Père. Aujourd'hui encore est un jour béni de grâce, Père. Louange et honneur à toi. Nous te remercions. Merci pour les chants des cantiques, mon Père. Merci pour les psaumes. Merci aussi pour
l'adoration, Père, merci pour la délivrance, mon bénévole Père, tu visant la liberté en Christ, mon bénévole Seigneur, pour te servir, Père. Merci pour la chorale, merci aussi pour les enfants. Merci également pour chacun de nous, bénévole Père, tu visant qui ont chanté. Bénévole qui ont joué l'instrument aussi, bénévole Père, tu visant dont le main ont bâti encore pour toi, mon bénévole Père Saint. Gloire te soit rendue encore ce soir. Oh, viens et nous éclairer encore davantage. Nous avons vraiment besoin de toi, Père. L'histoire même témoigne que tu es Dieu, mon sauveur. Sois béni, sois exalté et sois adoré encore ce soir. Merci, Père. Merci, notre Dieu. Nous étions loin de toi. Tu nous as ramenés, Seigneur. Et nous te louons, mon béni, Seigneur, pour ta grandeur. Nous te louons pour ta beauté, pour ton amour et ta grâce. Nous te louons pour ton secours et ton soutien, mon sauveur. Le monde, oh Dieu, béni, Père Tibissant, n'a plus d'effet sur nous, mon Seigneur. Nos cœurs et nos âmes sont détachés de ces choses, mon béni, Père, oh Dieu. Pour être éclairé vers toi encore davantage, mon roi, être éclairé, être conduit, mon béni, Père Saint, davantage. Et nous en sommes heureux, mon béni, Père Saint, et nous nous réjouissons réellement dans ta présence glorieuse. Ah, dans ta Shekina, mon béni, Père Saint, nous sommes heureux, Père. Merci pour ce cœur que tu as réellement racheté, Père Tibissant. L'âme que tu as rachetée, mon béni, Père Tibissant. La délivrance que tu as accordée à chacun de nos pères. Merci pour ce soir. Merci encore pour ces instants merveilleux. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci. Nous te croyons, mon Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Oh, Dieu du Seigneur. Lavé dans ton sang précieux. Merci. Merci encore pour ce soir. Loué soit ton sang. Merci. Nous voulons revenir à toi. Oh, Dieu du Seigneur. Oh, Dieu du Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Comment ne pas te louer, mon Seigneur. Je t'aime, tu es digne d'être adoré. Aujourd'hui encore, je t'aime. Oui. Derrière ne fasse obstacle, mon Seigneur. Nous voulons avancer. Nous voulons vraiment avancer avec toi. Nous voulons te servir. Rien ne peut t'empêcher d'agir, Père. Tout obstacle est accompli. Merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Oui. Oui, Père. Merci. Gloire à toi. Aide-nous, Seigneur. Merci. À recevoir ta parole. Que nos vies soient vraiment changées. Amen. Que nous puissions vraiment, Seigneur, que nous identifions à la parole que nous recevons. Oui, Père. Oh, que cette parole gloire à toi. Fait son travail dans le cœur de tous les gens. Merci, Seigneur. Croyons en toi. Je te remercie. Et tout notre cœur. Merci. Aide-nous. Merci. Gloire à toi. Oh. C'est vrai, Père. Merci. C'est que l'ennemi. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Que cela soit vraiment ôté. Merci. Que nous soyons vraiment prêts à te recevoir. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé à jamais. Oui, car il n'y a que toi qui mérites la louange, oui, l'adoration, les actions de grâce et tout le fruit de nos lèvres. Oh, cela, merci, mon Dieu. Pardon. Nous ne pouvons pas adorer notre maître si ce n'est que toi, le Seigneur. C'est lui qui est mort. Oh Seigneur, par ta mort, tu as au corps aimé. C'est notre Dieu a changé des filles et des fils pour toi. C'est ce qui est au corps aimé. J'écoute vraiment ta voix. C'est pour soi, Père. Qui dit au corps aimé à travers cette famille de ton Saint. Qui a vraiment au corps aimé des enfants de Dieu. Ils sont prêts à écouter la voix de leur Père. Ce soir encore, des enfants sont là pour discuter. Parle, ô Dieu, nous sommes prêts à écouter ta voix. Enseigne-nous, cher notre Père.
Nous voulons grandir dans la foi à travers cette parole que tu nous donnes chaque fois. Oh, ce sont des nourritures pour nos pauvres. Et chaque mot permet des portions de l'écriture qui va donner ce soir. Tout vraiment sa place dans la vie de toutes et chacune des nôtres. Oh Seigneur, nous attendons simplement à ton nom et à ton fait de grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon, notre Dieu, il est merveilleux. Nous le remercions pour son amour, sa bonté, et aussi sa fidélité et sa grâce aussi à notre endroit. Il a dit avec raison, nous sommes le troupeau de son pâturage, et sa main conduit. Et c'est lui qui nous appelle par notre nom, et qui nous fait sortir effectivement aussi pour pouvoir nous conduire lui-même. Nous avons eu la grâce de pouvoir entendre sa voix qui nous a appelés pour que nous puissions réellement marcher à sa suite. Il est l'auteur de la vie qui nous anime et aussi il est aussi l'auteur de la grâce qui nous a aussi attirés aussi vers lui. Combien nous lui serons reconnaissants tout le temps de notre vie sur la terre. Il n'y a de bonheur qu'en Jésus-Christ. Et en dehors de lui, il n'y a pas de joie véritable. Tout ce que le monde peut voir comme joie est éphémère. Mais la véritable joie est en Christ. Or, et la véritable paix est en Christ, notre Seigneur. Il nous donne cela dans notre cœur, malgré que l'extérieur peut être aussi agité et secoué. Hein? L'intérieur est dans le calme. Nous sommes dans l'assurance parce que lui-même, il est notre assurance. Cela est quelque chose qui nous console effectivement parce que la Bible nous dit que Christ en vous, il est l'espérance et la gloire. Et possédant le Seigneur, nous savons que nous possédons toutes choses. Nous le remercions vraiment de la manière dont il a toujours eu à pouvoir faire les choses. Et il est vraiment un Dieu tout à fait particulier. Et quand il se révèle à toi, c'est une grâce. Ce que le Dieu du ciel, l'auteur de la vie qui anime les âmes, et même la vie qui anime les arbres, et tout ce qui vit effectivement sur la terre, c'est lui qui en est l'auteur. Il n'y a aucun être qui peut donner la vie. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Et il possède effectivement la vie aussi. Et comme nous pouvons le voir effectivement qu'en elle était la vie. Donc nous réalisons qu'il est cet auteur parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous croyons cela et nous en sommes réellement aussi reconnaissants de la manière dont nous pouvons voir comment il a eu à pouvoir agir lorsqu'il était sur la terre. Et cela, ce qui est aussi très touchant, et qui nous amène vraiment encore davantage à le remercier, à le louer, et à le glorifier davantage, effectivement, pour nous qui l'avons reçu, c'est cette parole qu'il avait eu à pouvoir dire dans sa prière, effectivement, dans Jean 17, lorsqu'il dit que je ne prie pas seulement pour eux. Mais c'est merveilleux, hein? Mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tout soit un. Et nous réalisons que, au fur et à mesure que les temps sont en train de pouvoir avancer et que le Seigneur est en train de travailler, nous arrivons à pouvoir réaliser une expérience extraordinaire. Et nous commençons à nous rendre compte qu'effectivement, que réellement, le Seigneur nous a ramenés à la foi de nos pères. Et nous sommes en train de pouvoir avancer pour que nous atteignions davantage cette dimension parce qu'il avait fait la promesse de ne pas nous laisser orphelins, mais d'être avec nous, de pouvoir nous conduire jusqu'à la fin des temps. Et aussi, comme il a dit aussi, que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Amen.
nous sommes réellement certains de ce que ces paroles sont vraiment véritables. Elles sont véridiques, effectivement, parce que nous avons la grâce de pouvoir le voir. Mais le monde, lui, ne le voit pas. Mais nous, nous avons cette grâce de pouvoir voir que Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment ressuscité et qu'il est vraiment aussi parmi ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux qui le servent, effectivement, avec foi et avec persévérance et assiduité aussi, ceux-là, en réalité, peuvent réellement aussi le voir. Et nous lui sommes reconnaissants et la manière dont il conduit effectivement les choses dans sa parole et que nous voyons aussi que cela aussi se reflète aussi sur chacun de nous dans un temps comme celui-ci aussi parce qu'il a parlé effectivement de nous dans les Saintes Écritures parce que nous sommes aussi, comme l'Écriture le dit, la lumière effectivement dans ce monde. Et nous regardons, et c'est là que le travail de la lumière, c'est de pouvoir mettre éclairé dans les ténèbres, pour que les ténèbres puissent réellement aussi, ceux qui sont des ténèbres puissent voir effectivement aussi la différence. Vous vous souvenez, le jour où l'apôtre Paul était donc revenu du voyage, et que là, il était avec des frères, et c'était à Jérusalem à ce moment-là, et il y avait une discussion qui s'était donc élevée là, concernant la circoncision ou ceux qui étaient donc des pharisiens qui sont devenus des croyants, qui avaient dit qu'ils avaient cru, effectivement, ils voulaient donc ramener donc les croyants, les nouveaux donc, ceux qui étaient donc des païens, qui étaient devenus donc des croyants, les ramener à la circoncision selon Moïse, effectivement, pour que, à ce moment-là, d'après eux, vous vous souvenez de cela? Vous voulez lire, peut-être qu'on me voit en train de pouvoir peut-être lire. C'est dans les livres des Actes au chapitre 15, je pense que c'est cela, oui, Actes au chapitre 15, de lire cela. Et ici, verset 1, « Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Mon précieux frère, je pense, c'est lui qui est au technique là-bas, c'est Prince, je pense. Il faudra qu'on diminue un tout petit peu le volume du micro. Moi, je pense qu'il est un peu plus fort pour le frère. Et mon frère Zachée ou mon frère Rosario, voulez-vous un peu voir le frère? Merci. Ce serait bien que diminue un peu parce que c'est un peu plus fort. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et le frère décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés donc à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant donc engagée, Pierre s'éleva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tenterez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu de païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations, pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accorde la parole des prophètes, selon qu'il est écrit,
Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai donc le ruine et je la redresserai afin que le reste des hommes ainsi. Amen. Donc nous avons remarqué qu'effectivement, que cela avait une discussion où maintenant ce qui avait eu à pouvoir croire, et cela c'était effectivement ce qui était la secte de pharisiens, comme l'Écriture l'a fait savoir ici, qui voulait que ceux qui venaient de pouvoir croire, donc de païens, soient ramenés à pouvoir réellement se faire circoncire comme Moïse avait réellement dit dans les scènes d'Écriture, parce que si nous avons eu à pouvoir connaître effectivement ce qui s'était passé à l'époque avec Abraham et comment la circoncision est venue effectivement par Abraham, nous pouvons réaliser que ce n'est pas Abraham qui nous a écrit cela, c'était donc le Seigneur qui, ayant pris cet homme ici, le prophète Moïse, et alors là, il lui a réellement aussi montré et relaté les choses pour qu'il puisse mettre cela par écrit. Ce sont donc les livres que Moïse a eu à pouvoir écrire depuis donc la Genèse ainsi, et le Seigneur lui révéla en réalité ce qui s'était passé et qu'il devait mettre donc par écrit. Donc, ça, c'était quelque chose qui était tellement si important parce que le Seigneur avait bien dit à Abraham que tout mâle parmi vous qui ne sera pas circoncis sera donc exclu de mon alliance du milieu du peuple, effectivement, parce qu'il a donc violé mon alliance. Il fallait que cela soit fait. Donc, pour eux, effectivement, ils y sont restés avec cela parce que c'est la chose qu'ils connaissaient et pensaient, effectivement, et comprenaient de là, en disant que en restant dans cette position-là et en ramenant les autres à cette position-là, ce que réellement, nous sommes réellement en conformité avec Dieu. Donc, mais ils n'avaient pas vu réellement que les faits même, ils avaient cru, mais ils n'avaient pas eu à pouvoir réaliser la dispensation dans laquelle le Seigneur les avait réellement placés. Et ça aussi, c'est aussi la même chose aussi avec les gens aussi, comme dans les temps dans lesquels nous trouvons aussi. Et c'est quelque chose pour lequel nous devons vraiment prêter attention parce que on nous a bien dit ici effectivement qu'ils avaient cru, mais en réalité, ils n'avaient vraiment pas très bien saisi ce que réellement Dieu avait réellement fait, parce que tant que les Saintes Écritures réclamaient, montraient effectivement, parce que vous vous souvenez dans l'Ancienne Alliance comment les choses étaient donc placées et comment effectivement le pardon était accordé au peuple, parce qu'il y avait un souverain sacrificateur dont qui était issu effectivement du peuple et qui, une fois l'homme, entrait dans le lieu très saint avec le sang, effectivement, pour obtenir effectivement le pardon donc du peuple. Et cet homme, effectivement, comme les Saintes Écritures nous font savoir, effectivement, il devait aussi arriver à pouvoir présenter quelque chose pour ses propres faiblesses aussi. Alors, effectivement, il savait que depuis tout ce temps, réellement, que ne peut devenir souverain sacrificateur que celui qui est dans la lignée d'Aaron, c'est-à-dire descendant, effectivement, de les tribus de Lévi. Donc, il n'y avait que de Lévite, effectivement. Et ça, c'est ce qu'on a appelé, effectivement, le souverain sacrificateur, effectivement, selon l'ordre, effectivement, d'Aaron, effectivement, comme tu dis, sacerdoce, effectivement, selon l'ordre d'Aaron. Et nous n'avons peut-être plus de temps, mais dans les Saintes Écritures, effectivement, nous avons pu arriver à pouvoir voir quelque chose qui était tout à fait particulier, qu'il n'avait pas eu à pouvoir voir parce que aussi longtemps qu'il restait dans les choses d'une manière naturelle, on ne peut pas voir. C'est pourquoi il est toujours recommandé d'être spirituel. Et les choses qui concernent Dieu ne sont pas des choses à prendre effectivement au niveau tout à fait naturel. Parce que si nous restons dans les domaines naturels, nous serons toujours des légalistes. Mais les gens qui ne voient pas effectivement ce que l'Esprit du Seigneur est en train de pouvoir faire. Malgré qu'on peut clamer effectivement que nous croyons et que nous savons effectivement ceci, en fait, nous ne voyons pas les choses parce que nous avons nos yeux qui sont encore les yeux aveuglés. Et ainsi, effectivement, que dans les Saintes Écritures, quand on peut voir effectivement
Il y avait parlé de quelque chose qu'eux-mêmes avaient quand même lu. Je ne vais pas y rentrer dedans. Et ça, c'est lorsque Abraham lui-même était parti, effectivement. Vous vous souvenez quand l'autre, son neveu, était de ce côté-là, était pris, effectivement, et puis il est allé pour combattre, effectivement, pour pouvoir récupérer, effectivement, son neveu l'autre. Et Abraham, effectivement, il était parti, il a combattu, il a vaincu parce que l'Éternel était avec lui. Et quand il revenait, Abraham, dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, il a rencontré Melchisédek. C'est merveilleux cela de pouvoir voir comment Dieu fait les choses. On dit de lui, roi de Salem. Oh, que c'est merveilleux. Ah, si nous avions le temps, mon frère, de pouvoir lire ces choses. Le problème que nous avons, nous, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous aurons pu avoir la possibilité d'avoir assez de temps pour pouvoir s'asseoir et aussi prendre ne fût-ce que 2 heures ou 3 heures ensemble. Dans ces choses, effectivement, parce que les choses que le Seigneur a annoncées d'avance, il faut qu'on le voie. Pour comprendre, effectivement, quand le Seigneur maintenant nous fait passer dans une dimension, parce qu'aussi longtemps que nous restons dans le naturel, on ne peut pas faire de progrès dans le spirituel. On reste toujours tournant, effectivement, sur place. Et on dit, effectivement, je pense que juste pour lire, effectivement, cela, dans le livre des Hébreux, je suppose qu'on va trouver cela dans le livre des Hébreux, que Dieu nous accorde la grâce, et je pense que c'est cela, Hébreux, oui, probablement chapitre 7, je pense qu'on va trouver. Ah ben voilà, voilà, voilà. Regardez bien comme il dit ici dans chapitre 7 des Hébreux. Il nous dit, c'est merveilleux, frère, et nous aimions tant rester dans la parole de Dieu. Hébreux 7, verset 1, il nous dit, en effet, c'est Melchisédek était roi de Salem, vous suivez, sacrificateur du Dieu très haut. Roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Alors nous savons une chose que pour être sacrificateur, il faut descendre la lignée des Lévites, n'est-ce pas? C'est vrai, frère, tous ceux qui devaient servir de Dieu devaient être des Lévites, en fait. Alors, on nous parle effectivement de Melchisédek. Et on nous dit qu'il était roi de Salem. Et puis, on nous dit sacrificateur du Dieu très haut. Et ce Melchisédek, effectivement, alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi. Et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. Vous suivez? D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Ah, que c'est merveilleux. Et il continue, il dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Et il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. J'aime Dieu, frère. Ah, que son nom soit béni. Mais il dit, mais il est rendu, écoutez, c'est merveilleux, frère. Il dit d'abord ceci de lui, j'aime Dieu, frère. Il dit ceci, il dit, il est sans père, sans mère. Sans généalogie. Mais regardez, frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Seigneur, a une généalogie. Et on le dit dans les Saintes Écritures. Il a une généalogie. Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est écrit. La Bible dit, effectivement. Regardez très bien, s'il vous plaît. Matthieu, au chapitre 1. Matthieu 1, mon frère. Ah, nous aimons la parole de Dieu, frère. C'est merveilleux, cela. Il est bon, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 1, nous lisons verset 1, il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Et ici, dans le chapitre 7 des Hébreux, on nous dit effectivement que c'est Melchisédek là, sacrificateur du Dieu Théo, il est sans père, il est sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Amen. S'il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, qui est-il? Mais c'est Dieu Tout-Puissant lui-même. Alléluia. Mais maintenant, écoutez bien, c'est Dieu-là qui est Tout-Puissant. Il dit ici, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, monsieur. Et il dit, regardez très bien, il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek, écoutez bien,
demeure sacrificateur à perpétuité. Donc lui, il est sacrificateur pour toujours. Maintenant, l'Écriture dit ceci, il dit, mais considérez combien... Frères et sœurs, j'ai dit ceci, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, frères, pour entrer. Vous vous souvenez, nous avons lu avec vous ici dans le livre de Colossiens, où l'apôtre Paul, effectivement, disait que... Regardez bien ce qu'il nous avait fait comprendre ce jour-là, chapitre 1 de Colossiens. C'est Colossiens, effectivement, aussi. Je crois que c'est là que nous avons lu avec vous. Hein, et c'est cela, oui, voilà. Il dit ceci, nous avons lu avec vous ici, chapitre 1, il dit, verset 26, il dit, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Il dit, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Amen. Quand je vous ai dit cette écriture ici, je vous l'ai dit, frère, j'ai dit, mais aucun homme ne peut devenir parfait. Amen. Parce que l'homme tel qu'il est conçu est né d'une femme, effectivement, non, il est imparfait. Ah oui, ça c'est 100% vrai. Oui, monsieur, oui, madame. Moi, je ne suis pas parfait, toi, tu n'es pas parfait. Amen. Tous les efforts que tu peux faire ne peut pas te rendre parfait. Même la justice que toi tu fais devant Dieu, elle est souillée. Alors comment veux-tu devenir parfait? Or, il est question de rendre tout homme qui devienne parfait. Est-ce que vous comprenez? Oh oui, monsieur. La loi, avec tout ce qu'elle avait, ne pourrait jamais rendre quelqu'un parfait. Parce que la Bible dit effectivement que réellement, qu'avec tout ce qu'il avait, l'homme dit, mais ne peut jamais amener à la perfection. Et croyant même, ce n'est pas possible. Or, la loi venait de Dieu. Oui, la loi venait effectivement de Dieu. Et c'est la loi, effectivement, qui a instauré, effectivement, aussi les sacerdoces lévitiques, ainsi de suite, et tout cela, par lesquels les hommes passaient. Oh, je sais que dans la semaine, parfois, ce n'est pas facile. Nous aimons avoir dimanche pour ça, je pense. Mais je ne veux pas rentrer dedans parce que je pense que si le Seigneur le permet, j'ai quelque chose que je voudrais que vous puissiez voir rapidement et puis nous prions. Regardez bien. Ah, je prie que vous puissiez saisir. Et cela, effectivement, c'était donc ces sacerdoces. Et qui demandait qu'il y ait quoi? Des hommes, effectivement. Et ces hommes, comme le souverain sacrificateur, il avait besoin lui-même de pouvoir offrir aussi pour lui-même. Et ce qu'il offrait, effectivement, comme même sacrifice, et même le sang qu'il offrait, ne pouvait jamais rendre l'assistante parfaite. Non, parce que d'abord, un, lui-même, il est imparfait. Et le sang de taureau et de bouc, effectivement, sont le sang des animaux. Et il fallait un souverain sacrificateur. Donc, il fallait qu'il puisse rendre cela. Parce que le but était quoi? Que le peuple reçoive le pardon, qu'il soit comme Dieu le veut. N'est-ce pas vrai? Alors ici, on nous fait sortir un souverain. Enfin, ici, on nous parle dans les Hébreux, en parlant effectivement de quelque chose qui s'est passé, où là où on nous explique effectivement d'abord qu'il n'avait ni généalogie, ni commencement, ni fin. Vous suivez? Regardez très bien. Et c'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Vous souvenez, s'il vous plaît, votre attention. Parce que nous avons vu que Jésus-Christ, notre Seigneur, a une généalogie. Donc, il est bien, il est né. Il est né quand même, parce qu'on dit que fils de David, fils d'Abraham, on sait qu'il est né. Ça a été annoncé, et puis Marie est tombée enceinte, il a mis au monde. On lui a donné le nom de Jésus. Tout le monde le sait. N'est-ce pas vrai? C'est sûr et certain. Et là, on nous dit que... C'est sacrificateur des Très-Hauts-là, c'est mais qui se déclare, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement ni de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Maintenant, verset 4, il dit, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Verset 5, j'aime cela. « Ceux de Lévi, donc ceux de fils de Lévi, qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de qui? Des reins d'Abraham. Est-ce que vous suivez?
ils perçoivent effectivement la dîme sur leur frère qui se porte. Ah oui, c'est pas facile pour lui. C'est vrai qu'il veut que la voix soit bien entendue. Il cherche à pouvoir trouver. Tu peux augmenter un peu comme tu veux, pas de problème, on va voir. Alors il dit, verset 5, ceux de fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, écoutez bien, et lui qui ne tirait pas de son origine. Donc Melchisédek, s'il vous plaît, Melchisédek, il ne tirait pas de son origine, donc il n'était pas un lévite, sacrificateur du Dieu très haut, qui n'avait ni commencement ni fin de vie. N'est-ce pas vrai? Sans mère, sans père, sans généalogie. Il dit, lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il bénit celui qui avait les promesses. Toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Vous vous souvenez, non? Et il le bénit, effectivement, il est bien. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Vous suivez? Et puis il continue, mais et ici, ceux qui perçoivent la dîme, j'aime cela, ceux qui perçoivent la dîme, vous suivez, sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours, mon frère. Donc, il demeure, il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il dit, mais lui, il est vivant. N'est-ce pas vrai? Maintenant, écoutez très bien. Écoutez bien. Il dit maintenant, de plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Pourquoi? Parce que il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Or, nous savons que Lévi est né de qui? De Jacob. Jacob est né de qui? D'Isaac. D'Isaac est né de qui? D'Abraham. Donc, le fils de Jacob était dans le rein d'Abraham. Solomon, mon petit-fils, était dans mes reins. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est sûr et certain. Vous savez, frères et sœurs, Dieu a une face. C'est extraordinaire. Parce que Lévi n'était pas directement le fils d'Abraham. Lévi est né de Jacob. Mais l'Écriture dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. Parce que où était Isaac? Non, mais où était Isaac? Et où était Jacob? Mais Jacob était en Isaac. Isaac était dans Abraham. Frères et sœurs. Donc, ceux qui étaient dans Isaac étaient... en tant qu'ils étaient en Jacob, étaient en Isaac. Et ceux qui étaient maintenant dans le procédé de Jacob, effectivement, étaient donc dans Jacob, en Isaac, dans Isaac, dans Abraham. Oui, c'est clair, mon frère. C'est la vérité, mon frère. Maintenant, je veux que vous suivez. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Maintenant, écoutez bien. Si donc la perfection avait été possible par la sacerdoce, par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire que avec par la tribu de Lévi, effectivement, qui faisait le service de sacrificateur et souverain sacrificateur, l'Écriture nous dit, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Vous avez compris? Donc, effectivement, ce sont ceux-là qui servaient Dieu. Donc, il y avait... Vous vous souvenez encore, frères et sœurs, que ne pouvaient toucher l'arche que les lévites. Uzza avait commis cette erreur monumentale, lui qui n'était pas la tribu des Lévites, et touchait l'arche. Parce qu'il voulait aider, en fait, pour que l'arche ne vacille pas, ne puisse pas tomber. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a tué sur place. Donc, il ne pouvait servir Dieu, c'est-à-dire effectivement dans la présence de Dieu, et que Dieu avait agréé, n'était que ceux de la tribu des Lévites. Et c'était que dans cette tribu, effectivement, qu'il devait sortir le souverain sacrificateur. Le premier était Aaron. Souverain sacrificateur. C'est-à-dire que celui qui était au-dessus du sacrificateur, il rentrait. C'était lui qui avait le droit d'entrer
dans le lieu très saint, c'est-à-dire que là où se trouvait l'arche, effectivement, dans laquelle il y avait les livres que Moïse avait écrits, et puis aussi la manne, effectivement, la verge d'Aaron, effectivement, donc qui était là, effectivement, celle-là. Alors, qui rentrait dans cet endroit, et alors là, la Shekinah de la gloire descendait. Donc, il était dans la présence du Seigneur et qu'il sortait, effectivement, par là. Donc, c'était donc. Alors, ici, on nous dit qu'effectivement, que voilà ça qui se représente sur la loi. Il dit, mais alors, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire, si cela, à partir de la fatigue, la perfection, on pouvait l'atteindre, vous venez, était-il vraiment nécessaire encore qu'il paraisse un autre sacrificateur? Suivez bien, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Or, les sacrificateurs qui se succédaient, ils se succédaient selon l'ordre d'Aaron. Alors maintenant, si ces services-là qui avaient été établis pouvaient amener l'homme à la perfection, on n'aurait pas eu besoin d'un, écoutez bien, besoin de qui effectivement? Un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, Dieu l'avait parlé dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on nous ramène maintenant dans le Nouveau Testament, disant, mais aurions-nous encore besoin de cela? Non, si c'est qui était fait effectivement dans cet Testament, alors qu'on amenait l'homme à la perfection, évidemment, on n'aurait pas eu besoin d'un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et maintenant, regardez, frère, verset 12, il dit, car les sacerdoces étant changés, parce que regardez très bien, s'il vous plaît, frères et sœurs, nous avions l'ordre, effectivement, selon les sacerdoces lévitiques. Est-ce que vous avez compris? Et effectivement, les souverains sacrificateurs, parce que l'Écriture est dit, effectivement, ici, je le redis encore, mais c'est que c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Et alors maintenant, il nous parle, effectivement, que c'était en fait selon l'ordre d'Aaron. N'est-ce pas? Maintenant, on nous fait savoir que il nous est maintenant parlé d'un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Si ce qui était selon l'ordre d'Aaron pouvait amener les hommes à la perfection, y aurait-il encore besoin qu'on nous parle effectivement d'un autre ordre qui est selon l'ordre de Melchisédek, sans que ce soit l'ordre effectivement d'Aaron? Alors maintenant, on remarque quoi effectivement que l'ordre a changé. Quelque chose a changé. On est passé des sacrificatures selon l'ordre d'Aaron à une sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Vous avez remarqué? Alors, on a dit, mais car le sacerdoce étant changé, ce n'est plus le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, mais on est passé maintenant au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est Melchisédek, c'est qui? Roi de Salem, roi de justice. Il n'a ni commencement, ni fin. Sans généalogie, sans père et sans mère. Frères et sœurs. Donc celui-là, il devient maintenant le souverain sacrificateur. Donc ce Melchisédek-là, qui est donc roi de Salem, roi de Dieu, effectivement, il n'est pas un homme. Parce qu'il n'a pas de commencement ni fin. Il est donc Dieu. N'est-ce pas vrai? Donc maintenant, nous sommes passés à un sacerdoce naturel, effectivement, avec des hommes mortels, à un sacerdoce. Alléluia! Qui est divin avec un Dieu spirituel, avec un Dieu qui ne meurt point, un Dieu qui est vivant. Alors maintenant, écoutez, s'il vous plaît, frère. Il dit, mais écoutez, mais car le sacerdoce étant donc changé, il y a aussi nécessairement quoi? Un changement de loi. Alléluia. Avec Aaron, il y avait une loi. Il travaillait sur la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais maintenant, nous sommes plus sous l'ordre d'Aaron, mais il y a maintenant sacrificateur Melchisédek. Il y a changement de loi. Les choses ont changé. Alléluia. Les choses ne sont plus pareilles. Regardez, frère, et j'aime cela, frère. Je prie que vous compreniez ces choses. Parce que si je rentre dans les tableaux ici, il faut que vous saisissiez cela. Je prie que vous le compreniez, mon frère. C'est absolument important. Parce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, que quand j'ai pris Colossiens, j'ai dit que personne ne peut être parfait. L'homme naturel est imparfait. Mais alors, Dieu veut que tu deviennes parfait.
Comment toi, un homme naturel, tu peux devenir parfait? C'est impossible. Mais pourtant, Dieu veut que tu sois parfait. Le Seigneur l'a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Pourquoi nous avons des problèmes les uns avec les autres? On a des coups qu'on se donne à gauche et à droite. Frères et sœurs, c'est parce que nous n'avons pas atteint la position. Sûr et certain. Mon frère et ma sœur, quand vous savez pourquoi on arrive à pouvoir agir effectivement, papa? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Vous savez, la connaissance qui est là, elle ne pourra jamais vous aider. Mais quand la connaissance, elle est vivifiée, vous entrez effectivement dans la révélation de la chose, alors vous avez la victoire. Il a dit lui-même, il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, c'est vrai, vous vous bornez à écouter, demain vous sautez, c'est le combat. C'est parce que quelque part vous n'avez pas saisi. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est sûr. Il dit maintenant qu'il y a changement de loi. Est-ce que vous avez compris? On est passé de souverain sacrificateur naturel, n'est-ce pas? Qui a des faiblesses et qui peut mourir. À un souverain sacrificateur qui n'a pas de faiblesses. Qui ne peut pas mourir. Alléluia. Oh frère, il y a un changement de loi. Et aussi un changement de peuple. Oui, monsieur. Alléluia. Les choses sont différentes. Il y avait un peuple naturel. Maintenant, il y a un peuple spirituel. Oui, monsieur. Les choses sont différentes. Parce que dans la naturelle, regardez ce qu'il est écrit. Il dit ceci. En effet, verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Vous suivez? Celui dont on parle effectivement comme sacrificateur du Dieu très haut, c'est Melchisedec. Il appartient à une autre tribu. Nous l'avons lu avec vous, non? Quand on a parlé effectivement, il ne tire pas de son origine. Il est vite, non? Vous suivez, non? Il dit, mais en effet, pour montrer, frère, que le changement est radical. Ce n'est pas quelque chose que non. Le temps file. Le changement est radical. Donc, on est passé d'une phase à une autre. Alors, il dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites, donc Melchisedec, appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alléluia. Alors, c'est Melchisedec ici qui n'a ni commencement ni fin. Il appartient à une tribu. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Sauf que c'est Melchisedec dont on a eu à pouvoir voir l'Ancien Testament, qu'on nous a parlé qu'il n'avait ni commencement ni fin. Alors, on voit effectivement qu'il appartient à une tribu. C'est que quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il n'est plus resté effectivement dans son état divin là. Il est descendu pour prendre une autre forme. Alléluia! Parce que maintenant, on parle des tribus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez cela, mon frère. Il y a en effet celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Or, nous savons qu'il y a 12 tribus. N'est-ce pas vrai? Maintenant, regardez le suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Car il est notoire que notre Seigneur, alléluia, maintenant on parle de notre Seigneur. Et quel Seigneur? Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh oui, il est notoire que notre Seigneur est sorti de qui? De la tribu de qui? De Judas. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Alléluia. Donc, Melchisedec, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, n'est nul autre que c'est Jésus de Nazareth. Vous regardez, frère. Oh, c'est merveilleux, frère. Si vous pouviez comprendre, frère. Regardez ce que l'Écriture dit. Regardez bien. Je relis encore verset 15, il dit, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. On est passé de la sacrificature selon l'ordre d'Aaron à la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Il dit maintenant, c'est institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle,
mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu à qui? À Jésus. Il dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc s'il est devenu sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, l'Écriture nous dit, verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Alléluia. Frères et sœurs, regardez bien. À cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Mon frère et ma soeur, je n'ai pas le temps. De pourquoi réveillez-vous, s'il vous plaît, sœur? Ne venez pas par habitude, mon frère. Les choses ne sont plus pareilles. Où tu vas rester, où tu vas partir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il dit, il devient le garant du quoi, effectivement, si d'une alliance plus excellente. Et puis il dit ceci. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Alléluia! Voici le mec qui s'est d'être mon frère. Il a rencontré Abraham. Mais il a pris la forme d'un homme. Pourquoi? Alléluia! Il y a eu changement de loi. Gloire au Seigneur. La loi qui était donnée par Moïse ne pouvait jamais t'amener à la perfection. Ni moi non plus. Maintenant, la loi de Dieu fait qu'un homme, normalement un homme, appelé Jésus, alléluia, un homme appelé Jésus, né d'une femme, est parfait, alléluia, oh, gloire au Seigneur. Maintenant, la perfection est possible dans un homme, alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Maintenant, un homme peut devenir parfait. C'est pourquoi il a même crié dans sa chair. Il a pleuré parce qu'il était un homme. Et cet homme est... Regardez, frère. Je veux vous le lire pour que vous compreniez que c'est la vérité, frère. Prenons les... Regardez bien. Nous pouvons lire cela. C'est important, frère, ça. Que vous le réalisez parce que c'est quelque chose... Regardez très bien. Je pense là. Regardez très bien. Si nous prenons avec vous les Hébreux chapitre 5, parce que le temps file tellement vite, nous étions dans le chapitre 7, je pense, pour que vous puissiez comprendre ces choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, le temps n'est plus de pouvoir être lent et de gémir. Moi, ceci et cela. On doit être des vaillants, des gens qui savent posséder ce que Dieu leur a accordé la grâce d'avoir. Et c'est absolument important. Autrement, vous perdez votre temps. Chapitre 5 des Hébreux. Il dit ceci. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. N'est-ce pas vrai? Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. C'est vrai, non? Souverain sacrificateur. Vous avez suivi? Maintenant, regardez bien le verset suivant, il dit quoi? Et Christ, notre Seigneur, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Dieu dit, mais tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Regardez très bien. Il dit, et comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
Maintenant, regardez quelque chose de particulier, frère. Je vous l'ai dit, frère, qu'il fallait que ça soit un pour que toi et moi, nous puissions devenir parfaits. Il fallait que quelque chose se soit fait. Parce que aucun homme n'a jamais été parfait. Mais Dieu a voulu montrer la voie. Qu'un homme qui est aussi né d'une femme peut devenir parfait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Regardez, frères et sœurs. Nous venons de lire l'Écriture. Regardez la suite. Il dit ceci, quoi? Il dit bien. Verset 7, il dit, c'est lui, Jésus, n'est-ce pas? Vous suivez? Ayez vos Bibles, sœurs. Regardez, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, et lisez quand j'ai lu. C'est important. Il dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, on parle de l'homme maintenant, non? Quand on dit sa chair, c'est bien l'homme, non? La parole de Dieu a été faite chair, n'est-ce pas vrai? C'est lui qui, dans le jour de sa chair, qu'est-ce qu'il a fait? A présenté avec des cris et avec des larmes. Donc Dieu ne pleure pas. Non, ce n'est que l'homme qui pleure. Ce n'est que l'homme qui peut lancer les cris, effectivement. Donc il était l'homme dans le corps de l'homme, né d'une femme. Et il pleurait, regardez bien, il dit, avec des cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc ça, il parle bien de Jésus-Christ, notre Seigneur, non? Il dit, il le faisait, donc, il pleurait avec des cris, avec des larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Écoutez bien, et il a été exaucé à cause de sa piété. Écoutez maintenant, frère. Toujours du Seigneur Jésus. Il a appris. Vous suivez? Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance. Est-ce que vous avez la même Bible que moi? L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. N'est-ce pas vrai? Après avoir été élevé à la perfection. Donc, il a été élevé à la perfection. Il a atteint la perfection. Oui, monsieur. Parce que c'était un homme. Regardez, comprenez bien, ouvrez vos pensées, bien-aimés frères et sœurs. Je veux que vous compreniez cela. La Bible est claire. Il nous dit bien que cet homme-là qui pleurait, qui prie, qui suppliait Dieu, il a appris l'obéissance par les choses dans lesquelles il a souffert. Et puis, après avoir été élevé à quoi? À la perfection. Donc, Dieu l'a élevé à la perfection. Regardez très bien, frère. Il dit quoi? Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, s'il vous plaît, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi, monsieur, madame? Parce que le Seigneur Jésus a passé par toutes les étapes pour montrer que maintenant un homme normal peut devenir aussi parfait. Alléluia! Voilà pourquoi l'Écriture dit, par une seule offrande, il amène à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Alléluia! Maintenant, je peux devenir parfait. Pourquoi? Parce que le premier Jésus, il a vaincu. Il a vécu, il a été à la perfection. Maintenant, par lui, moi, un homme, je deviens aussi parfait. Mon frère et ma soeur, c'est pour ça l'apôtre Paul disait quelque chose, effectivement, en lui. Il dit, c'est merveilleux, frère, de réaliser dans notre marche et dans notre vie, c'est parce que nous n'écoutons pas bien les choses de Dieu. C'est parce que nous avons une grâce étonnante de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, mais vous ne la recevez pas comme elle doit être reçue. C'est pourquoi Dieu se détournera de vous. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, je pense, il dit, je jeterai le chandelier à sa place. Oui, monsieur, c'est sûr et certain, parce que quand vous n'appréciez pas ce que Dieu fait pour vous, quand vous n'en prenez pas en considération, c'est toujours avec, vous savez, des involtures, effectivement. Dieu va détourner la chose. Vous avez une grâce extraordinaire. Je crois que si vraiment vous aimiez Dieu, vous lui serez beaucoup reconnaissant. Vous ne seriez pas comme vous êtes, frères et sœurs.
ne serez pas comme vous êtes seul. Dans une assemblée comme celle-ci, vous vous tiendrez avec autant de crainte. Avec, mais c'est la vérité. Avec un respect. Sœur, je suis ici devant. Je sens ce que vous êtes. Je sens l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, sœur, frère. Si moi, je peux arriver à pouvoir combler votre raison, Dieu peut. Vous essayez de me tromper. Mais Dieu, ça, vous n'avez pas la crainte. Vous n'avez pas la considération. Est-ce que vous entendez? Vous n'avez même pas la réception qu'il faut. Et vous attendez, oh, on va chanter, puis on va sortir. Quand vous êtes chez vous à la maison, et c'est la même chose qui va revenir. Il y a des hommes qui entendent ça, ma soeur et mon frère. Demain, ils ne sont plus pareils. C'est 100% vrai. Vous me regardez, mais ce ne serait pas ma faute à moi si vous êtes dans la perdition. Je vous ai enseigné la parole de Dieu. Dieu vous a toujours confirmé sa parole. Même si vous méprisez l'homme, mais quelque part, vous voyez quand même que les anges du Seigneur, vous ne voyez pas ce qui est ici, vous ne voyez pas. Mais vous savez quand même que Dieu est toujours là. Amen. Si vous le savez, pourquoi n'avez-vous pas de respect? Pourquoi ne considérez-vous pas la parole de Dieu comme cela? Pourquoi cette chose-là vous manque, frère? Pourquoi, ma soeur, cela vous manque? Ce n'est pas la faute de Dieu puisqu'il éprouve. Je vais vous donner juste un exemple. Que Dieu bénisse mon frère Pascal, que j'aime beaucoup. La brochure ici. Frère Christian, il a crié ici. Frère et soeur, donnez votre email effectivement au secrétaire. Vous protégez vos emails, mais pour les saletés, vous donnez, on vous envoie n'importe quoi. Mais pour ça, et maintenant on a imprimé, on a payé de l'argent. Quand j'ai lu ici, vous savez ce qui s'est passé? Beaucoup de gens maintenant demandent à l'extérieur. Maintenant, frère Zaché, de recevoir. Et pourtant, c'est vous. Ici, on en a beaucoup de brochures qu'on a écrites. Et je vous ai toujours dit, je ne m'assieds pas pour pouvoir pondre les choses. Je crois que c'est ma soeur, ma bien-aimée soeur Angèle de Charleroi, qui, comme elle n'était pas là, il a entendu, il a crié en disant, il m'a dit, mais frère, ce n'était pas que tu as prêché cette brochure, mais tu as prophétisé. Il dit, c'est mot à mot ce que tu as eu à pouvoir dire qui s'accomplit. Sur mes frères et sœurs, ne voyez-vous pas que Dieu vous aime? Me regardez comment vous recevez la grâce de Dieu. Et vous commencez à pouvoir pleurer. Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, comment voulez-vous que Dieu le fasse pour toi, ma sœur? Chez moi, à la maison, ça ne va pas. Et ici, ça ne va pas du tout. Mais tu ne prends pas en considération ce que Dieu... La victoire que tu peux avoir dans ton foyer avec ton mari, c'est quand tu as la parole de Dieu. Ce n'est pas par les plaintes, oh, je n'en peux plus, il exagère, ça ne sert à rien de se plaindre. Prends simplement la parole, ce que Dieu te donne, tu as la victoire. Dans tous les domaines de ta vie à toi, si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, la victoire, tu l'as par ça. Quand tu prends la parole de Dieu, même devant l'homme le plus méchant, prends simplement la parole. Tu vas voir que la parole combattra pour toi. C'est le Seigneur lui-même qui va combattre. Pourquoi crier? Vous vous souvenez, j'aime beaucoup Lise, que Dieu la bénisse. Quand les enfants d'Israël, je vais m'arrêter, je vais parler plus loin. Quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer rouge, frères et sœurs, tout le temps Dieu vous parle, tout le temps vous montre qu'il accomplit, mais vous murmurez toujours. Ce qui me fait mal, c'est qu'en étant ici, je peux, c'est douloureux. Et bien, devant la mer rouge, alors qu'ils avaient vu la main de Dieu en Égypte, je ne sais pas comment dire, mais aussi Dieu a montré d'une manière claire qu'il est avec eux, devant la mer rouge, ils commencent à murmurer encore. Est-ce que Dieu, il n'y avait pas de cercueils là-bas, il n'y avait pas des oignons là-bas, toujours murmurant. C'est Dieu qui lui a dit, mais pourquoi tous ces cris? Pourquoi toujours murmure ça? Pourquoi toujours de plaintes? Est-ce que je ne suis pas capable de faire l'impossible? Je l'ai fait pour vous là-bas. Et si moi j'étais incapable, je l'ai même oublié parce que j'avais dit il y a longtemps. Qui pourrait me... C'est moi-même qui suis venu, qui dit que je me rappelle ce que j'avais dit à Abraham. Qui pouvait monter au ciel pour dire, Seigneur, rappelle-toi. Moi-même, je me suis rappelé. Et je suis venu et je l'ai fait. Pourquoi tous ces cris? Pourquoi tous ces murmures? Oh Seigneur, et ça ne va pas. Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est normal que dans ta vie à toi, que tu aies des combats parce que tu es l'enfant de Dieu.
si tu n'en avais pas. Tu dis, oh Seigneur, je sais que, puisqu'il y a ma part, les épreuves sont bien pour. Quand l'épreuve vient, on commence à murmurer. Seigneur, je ne sais plus très bien où est-ce que j'en suis. Non, madame, non, monsieur. Dieu t'a montré qu'il est avec toi. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas la guérison de ton corps, mais la parole de Dieu pour toi. Parce que le corps, quand tu as la parole, le cœur est guéri. Mais c'est sûr et certain. Il peut me donner même, tu peux en avoir 1 million aujourd'hui, tu ne seras jamais heureux. Parce que tu l'as aujourd'hui, demain tu tombes malade, tu mourras. C'est sur des papiers. Mais quand tu as la parole de Dieu, c'est une grâce, sœur, une grâce, mon frère. Il ne faut pas te tracer combien je vais gagner, est-ce que je vais mettre, et ma voiture. Ça ne sert à rien, toutes ces choses-là. Le plus important, c'est que tu aies la parole de Dieu en toi. Lorsque tu traverseras de l'autre côté, la femme restera, le mari restera. Mais toi, avec la parole de Dieu, tu iras loin. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Amen. Nous avons besoin de la chose qu'il nous faut. Et c'est ce que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Les pharisiens étaient comme cela. Ah oui, mais ils ont cru, il faut la loi de Moïse. Je termine. Ils n'avaient pas compris la grâce étonnante. Dieu avait pu arriver à pouvoir leur accorder. Comment peux-tu avoir reçu cette dispensation de Dieu et te ramener encore dans le bourbier de ceux qui ne pouvaient même pas te ramener à pouvoir te tenir dans la présence de Dieu? Alors que Dieu vient de faire quelque chose qui te ramène, toi qui ne veux même pas, non, que son nom soit béni. J'étais incapable de faire le bien, d'aimer quelqu'un, un homme aussi mauvais. Il a fait effectivement pour que moi je puisse aimer l'autre. Et je vais retourner à la loi, mes frères et sœurs. C'est que quelque part, je n'ai rien saisi. Parce que qu'est-ce que toi et moi pouvons nous faire de meilleur? Il n'y a rien. La seule chose qu'on sait faire, c'est aimer la personne qui est avec vous, de votre village, votre pays, votre, c'est pas moi quoi. C'est pour ça, on a des racistes partout, effectivement, c'est mon pays. Frère, la terre appartient à Dieu. Oh, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Si Dieu m'a établi ici, je reste là. Parce que personne n'a créé la terre. La terre appartient à Dieu. Certainement, tu es né ici, je t'ai trouvé ici aussi, je suis aussi établi. Dieu a vu ce soir-là, effectivement, nous partageons l'endroit. Mais c'est vrai, frère. C'est sûr et certain. Tout appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui l'était. Enfin, c'est simplement pour dire, effectivement, ce qu'il en est, mais bon. On va pas dire qu'aussi longtemps que l'homme n'a rien compris, il sera toujours « à moi, mais le pays est à moi ben ». Certainement, bon, il est à toi, mais si quelqu'un d'autre peut venir. Tout un chacun de nous était quand même étranger. C'est vrai quand même. Sûr et certain quand même. Si on regarde bien quand même, c'est vrai. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si on regarde bien quand même. Que ce soit les gens qui disent, moi, je suis de tel pays, mais en fait, ils sont venus de quelque part. Parce qu'avant, la terre entière n'était pas encore peuplée. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est après que les gens ont commencé à pouvoir voyager, puisque nous sommes tous descendants. Vous vous souvenez? C'est la Bible, non? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous me regardez comme ça, je ne vais vous laisser pas dire, mais nous sommes descendants d'un seul homme, non? N'est-ce pas vrai? Quand Adam est mort, et puis ça déluge, effectivement, il est resté qui? Noé. Eh bien oui. Je veux. Vous allez voir le livre qui va sortir. Mais c'est tout à fait clair, mon frère. Comment toi, tu peux dire que celui-là, c'est, je ne l'aime pas? Comment peux-tu ne pas l'aimer puisque vous descendez tous de la même personne? Et puis, c'est à partir de là que tout le monde. J'ai tout, je vais vous montrer, frère. Même historiquement parlant, même géographiquement parlant. Oui, vous n'avez pas insulté l'autre, non, monsieur? Et puis nous sommes tous des étrangers. La terre appartient à son propriétaire. Locataire, nous le sommes. Tous. La preuve, c'est que personne ne meurt avec sa terre. Tu peux avoir toutes les champs possibles quand tu vas mourir. Il y a un endroit où on va te mettre où tout le monde est jeté dedans. C'est le cimetière. Pour montrer que la terre ne t'appartient pas, appartient à son propriétaire. Il faut réfléchir de la bonne manière. Nous réfléchissons mal, frères et sœurs. C'est aussi la même chose que nous aussi dans notre marche avec Dieu. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut solutionner. Le plus grand problème,
dans ta propre vie à toi. Qui est difficile, c'est toi-même. Le plus grand problème, c'est toi-même. Pas quelqu'un d'autre. Oh, ma femme m'a fait. Oh, mon mari m'a fait. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est toi-même. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Si l'homme est vraiment converti, même si la femme est tellement mauvaise, l'homme sait où il se tient. Amen. Si la femme est vraiment convertie et que l'homme est tellement si mauvais, la femme sait où il se tient. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est pas la faute du mari, c'est pas la faute de la... Non, la faute est à toi, sœur, est à toi, frère. Amen. Parce que quand tu as Christ avec toi, oh, le problème vient, tu en as la victoire. Amen. Oui, monsieur, frères et sœurs, nous sommes des princes. Nous sommes des fils de Dieu. Il n'y a aucun problème qui te ramène la plus bas. Frère, non. Quand nous étions dans le monde, oui. Mais maintenant, en Christ, non. En Christ, nous avons la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. La maladie vient, la guérison est là. Même si ça coche, je serai guéri. Alléluia! Le problème vient, j'ai la solution. Parce que la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli pour moi, pour ma soeur, pour mes frères, pour nos enfants. Tout est accompli. Alléluia! La victoire dans ton foyer, tu l'as. Quand Satan veut venir secouer, il dit non, ici c'est chez moi. Ici, c'est mon territoire. Alléluia. On pousse Satan dehors. Nous gardons notre territoire. Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous avons le pouvoir. Satan ne fait que te faire trembler. Oh, quand je vais bouger, Satan, on me dit, mais tu peux bouger tout ce que tu veux. Moi, je sais où je me tiens. Je vais terminer. Goliath a secoué, effectivement. Il dit, mais, et toi, tu viens, moi, je suis grand. David n'a pas bougé, monsieur. Le petit David n'a pas bougé. Il dit ici, c'est mon territoire. Tu as insulté mon Dieu à moi. Moi ici, il dit, l'Éternel qui m'a toujours soutenu. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Un petit bonhomme devant un géant, monsieur. Qu'est-ce qu'il avait? Il savait où il se tenait. Sœur, pourquoi murmurer? Sœur, pourquoi tout le temps on m'a fait? Parce qu'on m'a fait. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma sœur? Tu travailles avec Satan tout le temps. Alors que Dieu t'a lavé de toutes ces souillures-là, tu y es dedans. Frère et sœur, un fils de Dieu ne va pas se justifier. S'il a manqué, il va se repentir. J'ai mal agi, pardon. Même s'il faut demander pardon 150 fois, je le ferai. Le pardon que tu demandes est une défaite à Satan. C'est 100% vrai. Mais quand tu te justifies, c'est toujours lui qui a l'avantage. Ah oui, parce que tu dis, ah, il me tient encore davantage. Mais quand tu dis, oh, tu as dit que j'étais fait mal. Aïe, 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 pardonne-moi vraiment. Quand tu dis ça, la personne dit, mais c'est pas possible. Il reconnaît. Satan n'a plus la force. C'est pardon que vous dites, pardonnez pas une petite chose, c'est quand même grand. Mais c'est vrai, frère. C'est sûr et certain. C'est à cause de ce pardon que nous avons reçu, que nous avons Christ avec nous. Donc chacun de nous va réaliser la grâce divine de Dieu qui nous a vraiment accordé, frère. C'est pour ça, quand il a dit qu'il va se présenter à lui-même, une épouse, sans tâche, ni rite. Sœur, si tu ne veux pas être dedans, ce n'est pas un problème. Amen. Mais il va avoir son épouse. Amen. Il n'y a aucun démon. Amen, amen. Il n'y a, même si tous les démons s'élèvent, frères et sœurs, ils ne pourront jamais arriver. Amen. Parce qu'il dit, mais son épouse sera irrépréhensible. Amen. Sans tâche, ni rite, ni rien. Elle sera parfaite. D'ailleurs, elle est parfaite. Puisque la parole de Dieu la rend parfaite. Elle reçoit avec joie la parole. Vous avez remarqué, frère, quand nous avons des problèmes qui nous travaillent, nous sommes tellement bas. Quand la parole vient, le problème s'en va. Alléluia. Il te connaît, mon frère. Il te connaît, ma soeur. Il sait qui tu es. Il sait aussi que tu lui appartiens. Amen. Et que Satan veut t'entraîner très loin. Il te donne la chose qu'il te faut. Amen. Pour sortir victorieux. C'est pourquoi nous devons être réellement aussi reconnaissants à Dieu. Quand nous nous tenons dans sa maison, soyez respectueux. Amen. Dans votre manière de voir vous asseoir, je vous dis,
d'écouter aussi comment vous tenez, sœur, parce que votre position à vous, comment vous êtes, quand vous pensez, ça se sent ici, effectivement, aussi, et ce n'est pas bon. J'ai toujours dit, priez Dieu et soyez respectueux, et soyez pas, parce que vous ne connaissez rien. Amen. Votre prétention ne sert à rien du tout. Amen. Seigneur, je ne connais rien, je dois apprendre, pas dire, bon, je suis vieille, je connais mieux que les jeunes. Non, il y a des jeunes qui sont parfois plus que toi. Amen. Je vais vous donner un exemple de cet enfant, l'INSEE. Ne vous fâchez pas. Non. Mais l'INSEE, que Dieu la bénisse. Amen. L'INSEE, je ne lui dis pas que l'INSEE, il faut que tu puisses enlever ceci, il faut de ça. L'INSEE me dit, effectivement, il dit, donne-moi les chapitres versés. Je lui donne les chapitres versés. Je ne lui explique pas. L'INSEE prend le temps de pouvoir lire, que Dieu la bénisse. Amen. Et lit les Écritures, et puis il me dit, mais papa, je vais t'appeler pour te demander si j'ai bien compris. Je vais te dire ce que j'ai reçu. Et quand j'ai lu ça, d'abord j'ai compris que, moi je ne peux pas me marier avec un homme qui ne croit pas au Seigneur 100% de tout son cœur. Parce, écoutez bien, c'est pas moi, c'est l'INSEE. Il dit, parce que d'après ce que j'ai lu, l'homme est le chef. Alors, si maintenant l'homme n'a pas Christ, comment il va m'aider à pouvoir aimer Christ? Donc pour que je puisse marcher avec Christ, il faut que celui qui est ma tête soit quelqu'un qui aime Dieu. Je dis pardon. Il dit oui. C'est ça que j'ai compris. Il dit tu as compris ça. Je dis c'est ce que j'ai compris. Et c'est comme ça que je vais marcher. J'ai dit l'INSEE, que Dieu te bénisse maintenant. Oh frère. J'ai dit c'est quand même extraordinaire. Tu viens du catholicisme qui avait des Ave Maria. Maintenant il est glorifié le Seigneur Jésus. Frère et soeur. Frères et sœurs, réveillez-vous. Amen. Regardez ce que Dieu fait. Amen. Regardez-vous, examinez-vous depuis des années pour que la parole de Dieu rentre en vous. Mais regardez, une personne qui était catholique. Vraiment. Ça, c'est un témoignage pour vous. Amen. Et il prend l'écriture, effectivement, et lit. Il me dit, mais voilà ce que moi j'ai compris. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste? Comment ne voulez-vous pas que je puisse danser? Et quand tu vois ça, tu dis, j'ai dit, l'INSEE, je t'aime beaucoup. L'INSEE. Oh frère, vous serez étonné hein, comment Dieu travaille dans le cœur des uns comme des autres. Alors que vous regardez, vous me dites, non, nous sommes habitués, on fait ceci, on fait cela. Mais le Seigneur continue à travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que la parole de Dieu trouve une place dans le cœur de chacun, le respect dans les choses de Dieu, afin que nous avancions et que nous servions notre Dieu. Lève-nous, nous allons prier. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée, la pluie de terre, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais, non, jamais, tout seul. Non, jamais, tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gardes. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gardes, je ne suis jamais tout seul. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour cette soirée. Pour ce moment béni, Père, que tu as daigné nous accorder la grâce de pouvoir avoir. Et nous voulons nous tenir encore devant ta face, mon bien-aimé Père.
pour t'exalter, mon bien-aimé Père Saint, pour élever ton nom encore aujourd'hui, Père. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être exalté, mon bien-aimé Père Saint. La louange et l'honneur et la gloire te reviennent encore aujourd'hui, Père, pour te offrir, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, pour ton amour à notre endroit, mon bien-aimé Père Saint. Certainement, c'est vrai, mon bien-aimé Seigneur, que peuvent nous faire les hommes, mon bien-aimé Père Tibissant. Tout appartient sur tes terres, mon bien-aimé Père Saint. La gloire et l'honneur te reviennent, mon roi. Nous voulons avancer avec toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, les jours déclinent, mon bien-aimé Père Tibissant. Les jours déclinent, mon bien-aimé Père Saint. Oh, bientôt le voile va se déchirer. Tu l'étais déchiré, mon bien-aimé Père. Tu lèveras le voile, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu accorderas la grâce, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu lèveras, mon bien-aimé Père au Dieu, pour venir encore chercher ton épouse à toi, Père. Oh, nous sommes heureux d'être à toi. Tu nous prépares, oh notre Dieu, à ta rencontre, mon bien-aimé Père. Oh, nous avons les désirs de voir réellement t'expérimenter encore davantage, Père. Nous sommes heureux d'être à toi. Oh, le monde, nous en sommes fatigués, Père. Nous voulons te servir, ô notre Dieu. Nous voulons marcher avec toi, ô notre roi. Et l'enterre béni. Gloire à toi, ô notre Dieu. Sois glorifié encore aujourd'hui, Père. Sois béni, Père. Toi qui ne changes point. Toi qui demeures le même. Le puissant vainqueur, mon sauveur. Merci, sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, mon sauveur, Père. Accorde-nous encore la grâce, mon bien-aimé Père Saint. Accorde-nous encore l'aide, mon sauveur. Souviens-toi. Souviens-toi, mon Père Saint. Merci, sauveur. Merci, Père. À toi la gloire. À toi l'honneur. Merci, maître béni. Gloire et honneur à toi. Merci, Père. Oh, Jésus-Christ. Merci encore, mon Père. Merci, Seigneur. Oh, mon Père. Merci encore, mon Père. Voyons en toi. Nous sommes heureux de vivre pour toi, mon Seigneur. Oh, Jésus. Oh, voyons. Voyons, nous sommes heureux. Oh, Dieu du ciel. Je voudrais que nous chantions un cantique. Mon précieux frère, viens. Ayant un cantique dans le cœur cantique. Et je pense dans le cœur cantique. Je crois que vous devez les connaître. Je ne sais pas si le cœur cantique que vous avez ou dans le recueil. Ce cantique dit, oh quel bonheur de les connaître. L'ami qui ne saurait changer. Dans les ailes de la foi, je ne sais pas si c'est une victoire, mais il faudra qu'on puisse. Je crois que la chorale connaît, non? Ok, alors, ça va mon grand, tu connais, non? Nous allons chanter cela. Dieu te bénisse. Le 61 dans les ailes de la foi. Oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici. Chantons d'un cœur joyeux.
Seigneur, merci pour cet ordre de Melchisédek dans lequel tu nous as introduits. Merci pour la perfection que tu as rendue possible dans les êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, notre Dieu, parce que tu nous as élevés dans un niveau tellement si
élevé, mon Sauveur, dans les choses qui te concernent, notre Père. Nous n'avons plus à traîner, Seigneur, dans les choses qui nous salissent et qui nous empêchent de pouvoir nous élever, Seigneur. Merci parce que tu nous fais pénétrer dans les sphères même de ta révélation, mon Sauveur. Tu nous fais comprendre les plans du salut, mon Sauveur. Tu nous fais voir des choses cachées que tu révèles seul à tes enfants, Seigneur. Oh, des choses cachées que le monde ne peut connaître, mon Sauveur, mais que seuls ceux qui sont à toi accèdent, mon Sauveur. Père Céleste, nous voulons être attentifs à ta voix, notre Dieu, comme tu l'as dit encore ce soir. Père, ouvre nos oreilles spirituelles. Fais tomber les écailles de nos yeux, notre Seigneur. Enlève, Seigneur mon Dieu, la lourdeur. Enlève la fatigue, Seigneur. Enlève la timidité, Seigneur. Oh, donne-nous le zèle, Père, qui nous dévore dans ta maison, Seigneur. Nous voulons te servir de tout notre cœur, mon Dieu, mon Roi. Être consacré pour ton service, mon Sauveur. Tu nous as appelés, notre Dieu, et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, Seigneur. Nous voulons te servir, notre Dieu. Oh, Père, merci, Père Céleste, pour ce que tu fais pour nous, notre Dieu. Père, nous voulons réellement t'exalter, notre Dieu. Oh, Père, exalter ton Saint-Nom, parce qu'il n'y a pas de Dieu semblable à toi, comme nous l'avons chanté, Seigneur, car nul n'est semblable à toi. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et tu t'es fait un corps humain, mon Sauveur. Tu t'es choisi des hommes vils que le monde a rejetés, dans lesquels tu veux tabernacler, mon Sauveur. Tu veux habiter en moi, habiter dans ma sœur, habiter dans mon frère, afin que nous soyons réellement les joyeux de ta couronne, mon Sauveur. Ce ne sont pas des belles paroles, mon Sauveur, mais c'est réellement la vie que nous voulons avoir en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu nous as donné la victoire de toutes choses, mon Sauveur. Tu nous as donné réellement de posséder même la porte de nos ennemis, mon Sauveur. Tu es le Dieu vivant, notre Seigneur. Qui est semblable à toi, notre Dieu? Oh, accorde-nous ta grâce, mon Père. Merci pour ta visitation ce soir. Merci pour ta présence, oh Père. Bénis ton serviteur, notre Dieu, que tu as utilisé puissamment. Oh Père, combien tu es merveilleux. Seigneur, tu es celui qui accomplit ta parole. Seigneur, tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, même si Satan, Seigneur, veut nous obscurcir, mon Sauveur. Même s'il veut nous dérouter du chemin, mon Sauveur. Même s'il veut nous affaiblir et nous faire réellement fatiguer de la marche, mon Sauveur. Mais nous savons que ta main nous secoue, Seigneur. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu nous soutiens, Seigneur. Merci parce que même quand nous nous faiblissons, Seigneur, tu es celui qui nous fortifie. Oh Seigneur, combien nous t'aimons, Seigneur, encore plus. Seigneur, sois élevé, sois loué, notre Dieu. Oh, l'ennemi de l'homme, c'est lui-même, mon Sauveur. Tu l'as dit encore aujourd'hui, notre Dieu. Nous voulons réellement renoncer à nous-mêmes, Seigneur. Renoncer aux œuvres mortes de la chair, Seigneur. Renoncer, Seigneur, à notre orgueil, mon Sauveur. Et ne regarder qu'à toi, notre Dieu. Seigneur, viens-nous en aide, parce que tu es réellement celui qui sonde les cœurs et les reins. Ton serviteur l'a dit, c'est vrai, tu nous connais mieux que quiconque, mon Sauveur. Nous pouvons paraître saints et même religieux devant les hommes, Seigneur. Mais Seigneur, personne ne peut se cacher devant ta face. Père, accorde-nous ta grâce ce soir. C'est un jour particulier, notre Dieu. Et je le ressens, chacun de nous le ressent. Tu es là, Seigneur, présent au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu dis que ton peuple est au nord des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de toi. Seigneur, aie pitié de nous, notre Dieu. Dans ta bonté, Père, selon ta grande miséricorde, oh Dieu, ramène-nous sur le chemin. Nous voulons nous accrocher à toi, encore plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi dans nos cœurs, Seigneur. Que nos âmes soient réellement sauvées, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus de la Bible, le Yahvé de l'Ancien Testament, qui est le Jésus-Christ, celui que nous aimons, celui que nous témoignons. Seigneur, agis parmi nous. Seigneur, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, mon Sauveur. Oh, manifeste ta grandeur, ta puissance parmi nous, Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments bénis, ô Père. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué à jamais. Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis les enfants, Seigneur, qui ont aussi entendu cette parole. Seigneur, tu étais là, te tenant réellement à nos côtés. Merci pour la force que tu nous as donnée. Oh, tu as dit, va avec la force que tu as. C'est ce que tu nous donnes, Seigneur. Cette parole de vie que tu nous as donnée, c'est elle qui est réellement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, quand le trouble viendra, que nous puissions nous souvenir de cette parole, car tu l'as gravée dans nos cœurs, mon Sauveur. Merci, notre Dieu. Comme David avait dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous sommes ton peuple. Seigneur, il nous arrive de pouvoir manquer, mais quand tu viens, tu nous montres et nous nous repentons, Seigneur.
Oh Père, je te remercie pour cette nature que tu as donnée à ceux qui sont à toi. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Dans ta bonté, notre Dieu, nous voulons marcher, nous voulons persévérer. Persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit exalté à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour quelques requêtes. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs, je demande à l'Assemblée des Saints de prier pour moi car j'ai des douleurs au niveau du dos et des articulations. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et notre sœur Bofio. Bonjour, bonjour mon frère Léonard, j'espère que le Seigneur vous bénisse ainsi que tous les frères et sœurs dans la salle. Je suis le beau-frère de Marcel, notre frère Marcel de Krefeld. Je voudrais vous demander de bien vouloir prier pour mon épouse Marie-Thérèse et moi-même Michel. J'ai une forte douleur à la jambe gauche. Cela m'handicape énormément. Les docteurs ne peuvent rien faire. J'ai confiance, je sais qu'il n'y a que le Seigneur pour me délivrer de cela. Nous prions tous les jours. Aujourd'hui, nous avons suivi les baptêmes en direct. Mon épouse et moi, nous y sommes crus et nous attendons donc mardi avec impatience. Ça nous fait du bien quand on vous écoute prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de prier pour nous ainsi que pour l'autre sœur de Marcel, elle s'appelle Jacqueline. Nous prions pour vous tous les jours, mon épouse et moi-même. C'est notre frère Michel et notre sœur Marie-Thérèse de Loudun en France. Nous allons prier pour notre frère Michel qui a réellement des douleurs au niveau de sa jambe gauche. Puisse le Seigneur réellement lui accorder la guérison. Et pensons aussi à notre sœur Bofio qui a des douleurs au dos et aux articulations. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu, c'est encore auprès de toi que nous nous approchons avec confiance éternelle et certitude que tu es le Dieu qui guérit encore de toute maladie, Seigneur. Il n'y a aucune maladie qui n'a jamais été guérie, Seigneur, dans ta présence, mon Sauveur. Seigneur, lorsque l'homme s'approche de toi avec la foi et la ferme assurance que toi, notre Dieu, tu es capable, Seigneur, tu agis toujours, notre Dieu. Souviens-toi de notre sœur Bofio. Souviens-toi de notre sœur Léa Père. Tu vois ses douleurs au dos, Seigneur. Tu vois ses articulations qui lui font mal. Seigneur, que ce démon, Seigneur, puisse être réellement chassé au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Étends ta main, mon Père Céleste, là où elle est. Oh Père, étends ta main, Seigneur, qu'elle soit réellement délivrée, oh Père. Qu'elle soit libérée, mon Sauveur, parce que tu guéris encore aujourd'hui, notre Dieu. Satan n'a aucun pouvoir, mon Sauveur. Nous réclamons la bonne santé de notre sœur. Nous réclamons réellement sa santé. Oh, que réellement rien ne puisse l'empêcher de chanter, de louer ton nom. Qu'elle soit libérée, qu'elle se lève et glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu délivres encore aujourd'hui, mon Sauveur. Souviens-toi de mon frère Michel. Oh, Père, tu vois sa jambe gauche, Père, qui lui fait réellement énormément mal. Il est handicapé, Seigneur, mon Dieu. Il ne sait pas bien marcher, notre Dieu. Tu es le Dieu qui délivre, mon Sauveur. Que Satan puisse réellement lâcher prise, que réellement tous les démons qui l'empêchent de pouvoir marcher, qu'ils soient réellement chassés au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu es le Dieu puissant, mon Sauveur. Tu es celui qui guérit parfaitement. Tu as dit que par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Que mon frère reçoive sa guérison. Que mon frère soit délivré, Père. Que sa jambe bouge correctement, mon Sauveur. Tu es toi qui as créé, Seigneur mon Dieu, les muscles. C'est toi qui as créé la jambe, mon Sauveur. Restaure sa jambe, mon Père. Accorde la grâce, mon Dieu, mon roi. Que la guérison lui divine nous soit accordée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Sois béni, Père. Souviens-toi de son épouse, notre sœur Marie-Thérèse. Souviens-toi de notre sœur Jacqueline, mon sauveur. Ô Père céleste, nous le recommandons entre tes mains. C'est des bien-aimés qui suivent réellement ta parole, mon Dieu, en ligne, mon sauveur. Tu sais combien ils ont besoin d'entendre ta parole, mon Père. Tu sais combien cela leur fait du bien, notre Dieu. Ô Père, ils n'ont pas d'autre endroit, si ce n'est qu'ici, pour écouter ta bonne nouvelle, mon sauveur. Bénis-les richement, mon sauveur. Tu connais leurs besoins, Seigneur. Tu connais leurs projets, notre Dieu. Et tends ta main, Seigneur, mon Père. Ouvre les portes, mon sauveur. Fais un chemin pour eux, mon sauveur, qu'ils puissent davantage s'accrocher à toi. Tu vois la distance, mon sauveur, mais malgré la distance, tous les jours de culte, Seigneur, ils sont là connectés, mon sauveur. Non pas, Seigneur mon Dieu, pour faire plaisir à un homme, mais c'est parce qu'ils savent, Seigneur mon Dieu, que leurs âmes sont nourries, mon sauveur, au travers de la parole qui est prêchée en ce lieu. Seigneur, agis, Seigneur, délivre, Seigneur, bénis leur maison. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous te le demandons avec foi, Père. Merci, notre Dieu. Accorde la grâce et guéris réellement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. La famille Molura Gaetano de Brabant Wallon a besoin de nos prières afin que le Seigneur réellement les soutienne et les fortifie. Ils sont des nôtres car ils sont toujours en connexion lors des réunions. Ils remercient tous le Seigneur pour cela, pour la parole de Dieu qu'ils reçoivent. Nous allons prier aussi pour cette famille. Ils habitent en Brabant Wallon. Que le Seigneur puisse réellement, tous les jours de culte, ils sont connectés. Que le Seigneur puisse réellement les soutenir et les fortifier. Qu'ils puissent réellement persévérer dans la marche. Prions le Seigneur. Père céleste, notre Dieu, vois cette famille, mon sauveur. Ô Seigneur, notre Dieu, à l'image de notre sœur Esther de Lille, Seigneur, ainsi que toute sa famille, Père, qui se rassemble toujours même à la maison, Seigneur. Ô Père, pour te louer, te glorifier, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu es celui qui bénit réellement. Seigneur, tu bénis cette famille, mon sauveur, parce que tu les connais, notre Dieu. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, la foi et l'amour qu'ils ont pour la parole. Seigneur, ils ont besoin que tu les soutiennes. Seigneur, ce n'est pas toujours facile, mon sauveur, mais ils ont besoin de ton aide, mon Dieu, que tu pourvoies leurs besoins, Seigneur. Oh, dans leurs difficultés, Seigneur, que tu sois la solution à leurs problèmes. Seigneur, lorsque la maladie vient, que de la guérison soit trouvée auprès de toi. Seigneur, nous avons entendu aujourd'hui que lorsque nous sommes en Christ, nous avons la solution à tous nos problèmes. Nous voulons veiller que seule ta parole soit dans nos cœurs, mon sauveur. Car si nous avons ta parole dans nos cœurs, oh, nous avons la victoire sur toute chose, mon sauveur. L'ennemi viendra et nous le ferons fuir, Seigneur. Non pas parce que nous sommes musclés, mais simplement parce que ta parole est en nous, Seigneur. Accorde la grâce, notre Dieu. Bénis cette famille, mon sauveur, qui soit remplie de ton Esprit Saint, Seigneur. Oh Dieu puissant, qui ne manque de rien, notre Dieu. Oh, que leur maison soit bénie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh notre Dieu, que tous les problèmes qui peuvent surgir, mon Sauveur, que dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, que ces problèmes soient solutionnés, notre Dieu. Oh, tu connais réellement leurs besoins, mon Sauveur. Que tu les fortifies, notre Dieu. Que tu les soutiennes, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde la grâce, Père. Agis davantage, mon Dieu. Bénis-les, mon Sauveur. Et si un jour, tu permets, Père, qu'ils puissent venir aussi, Seigneur, que ensemble nous puissions communier, notre Dieu. Agis, Père, fais-le pour la gloire de ton nom, mon Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce parce qu'il a permis ce jour d'être en vie, ainsi que tous mes frères et sœurs et vous aussi, ma famille chrétienne. Une fois de plus, je viens solliciter vos prières pour ma santé qui commence à s'améliorer, pour la santé de mes enfants et toute ma famille, particulièrement les 4 enfants de ma défunte petite sœur, les enfants donc du nom de Carmel, Pavel, Michou et Dani. Ensuite, priez pour moi, pour mon travail où je suis l'objet de beaucoup de persécutions de la part de mes collègues. Enfin, pour la paix dans ma famille, entre mes frères et sœurs, pour combattre le diable de la division qui est en train de vouloir s'installer. Bien à vous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Liliane Sylvie du Cameroun, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nièce de notre sœur Emma. Nous allons prier pour que le Seigneur réellement intervienne et agisse sereinement dans les différents cas de cette sœur. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, encore une fois, nous voulons te remercier parce que tu es intervenu, mon Père,
Notre sœur aujourd'hui, oh, sa santé s'améliore, mon Sauveur. Mais nous voulons réellement prier, Seigneur, pour que réellement elle soit rétablie totalement, mon Sauveur. Que sa guérison soit complète, mon Sauveur. Qu'elle soit réellement en parfaite santé, oh Dieu, pour qu'elle puisse prendre soin de ses enfants. Et aussi, Seigneur mon Dieu, des enfants de sa sœur qu'elle a pris en charge. Seigneur, souviens-toi de ses enfants. Tu es réellement le Père des orphelins, notre Dieu. C'est toi qui pourvois tous leurs besoins, mon Sauveur. Que ses enfants ne manquent de rien, notre Dieu. Donne les moyens nécessaires, Seigneur, oh, à Liliane, mon Sauveur, pour qu'elle puisse souvenir aux besoins de ses enfants, notre Dieu. Bénis ses projets, bénis son travail, bénis, Seigneur mon Dieu, son travail. Tu vois aussi les difficultés qu'elle rencontre, mon Sauveur. Oh Dieu, elle est persécutée, elle est maltraitée. Oh Seigneur mon Dieu, elle est discriminée par ses collègues. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui prend position pour ceux qui sont à toi, notre Dieu. Accorde la grâce, mon Dieu, toi qui touches le cœur, mon Sauveur. Oh, tu es capable de déplacer ces hommes. Seigneur mon Dieu, accorde la grâce, mon Dieu, que réellement ta fille puisse réellement travailler en paix. Oh, que rien ne puisse réellement l'empêcher de pouvoir te glorifier, notre Dieu. Sois avec elle, Seigneur. Tu es réellement le défenseur, Seigneur mon Dieu, des cœurs brisés. Accorde la grâce, mon Dieu, mon roi. Agis pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Souviens-toi aussi de la paix dans sa famille. Seigneur, que Satan se tienne loin. Que ce démon de la division, Seigneur. Oh, que Satan soit réellement vaincu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous proclamons la victoire de Golgotha, Seigneur mon Dieu. Que réellement la victoire soit réellement dans cette famille, mon Sauveur. Que Satan n'ait pas haute de pouvoir, mon Sauveur. Que réellement la sémence de la discorde, mon Sauveur. Que la sémence de la division soit réellement chassée. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit détruite complètement. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, mets ta main, Père. Rétablis toutes choses, mon Sauveur. Et restaure, mon Dieu, mon roi. Que l'entente, Seigneur mon Dieu, avec ses frères et sœurs puisse réellement être parfaite, mon Sauveur. Oh Père, touche les cœurs. Il n'y a que toi qui puisses le faire, mon Sauveur. C'est pourquoi nous avons confiance en toi. Étends ta main, Père. Bénis, guéris et délivre réellement au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Que Dieu soit réellement glorifié. Qu'il soit réellement avec nous et que cette parole, que nous puissions réellement la méditer. Et si nous avons la possibilité de la réécouter, réécoutons-la, parce que c'est pour notre bien. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je rappelle juste que notre frère Jacques va très bien. Que le Seigneur soit glorifié, parce qu'enfin, il a été transféré dans l'unité de révalidation et il a commencé ses exercices. Tout se passe merveilleusement bien. Et donc, les visites, pour ceux qui veulent aller le voir, les visites, c'est tous les jours de 17h à 20h. De 17h à 20h, ça c'est en semaine, et le week-end, c'est de midi à 20h. Je vais juste demander à ma soeur Marie-Chantal de rappeler la chambre. C'est 343, c'est ça ? 344. Non, c'est la chambre 334. Merci. Chambre 334, c'est au troisième étage à l'hôpital Erasme, de 17h à 20h en semaine ou le week-end de midi à 20h. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Levons-nous, nous allons réellement remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous encore aujourd'hui. Et si tel... Pardonnez-moi. Oui, je vais demander à mon frère Zaché de venir récolter les offrandes et en même temps demander à la chorale de chanter. L'amour du Dieu infini.
plein de gloire, vêtu d'humilité, souffrant à nos côtés. Sur la croix étant clouée, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un alléluia, un alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que aujourd'hui tu as été encore merveilleux au milieu de ton peuple. Tu nous as visités, tu nous as parlé, tu nous as consolés, tu nous as fortifiés. Seigneur, nous voulons marcher encore plus avec toi. Nous voulons encore d'expérience en expérience grandir et encore grandir avec toi, Seigneur. Le temps n'est plus, Seigneur. Satan sait que son temps est bientôt compté. Et ton peuple, ceux qui sont à toi, se préparent encore davantage. Seigneur Jésus, alors qu'il change de face pour pouvoir attraper encore plus de monde dans son camp, toi aussi tu changes de face de ceux qui sont à toi. Et en ce temps de la fin, merci parce que tu as fait de nous des aigles. Tu nous as élevés dans les hauteurs. Et Seigneur, nous pouvons sentir combien ta parole nous élève encore davantage. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous à ne pas retourner et revenir sur des choses que nous avons déjà abandonnées, Seigneur. Qu'au contraire, que nous puissions aller d'élévation en élévation, de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, Seigneur. De découverte en découverte, notre Dieu. C'est la vie du croyant, c'est ce que nous voulons réellement sur la terre. Seigneur, nous n'avons plus de temps à perdre, Seigneur, sur les choses de ce monde. Parce que tout ce que nous avons, des maisons, des voitures, de l'argent, tout cela resteront. Nous l'avons entendu, Seigneur. Mais nous voulons racheter le temps parce que les jours sont mauvais, Seigneur. Aide-nous à pouvoir nourrir cet homme spirituel qui est réellement au-dedans de chacun de nous pour que nous puissions vraiment être à l'image de toi, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Seigneur, nous avons été invités à ta table. Nous avons mangé. Seigneur, maintenant que nous sortons, nous voulons réellement méditer sur ce que tu nous as donné. Si tu nous accordes de revenir le jeudi, Seigneur, que la parole que nous avons entendue aujourd'hui demeure dans nos cœurs, Seigneur. Demain, quand nous irons au travail, demain, quand nous rencontrerons des uns comme des autres, Seigneur, que le témoignage de Christ soit réellement dans nos cœurs, Seigneur, et dans nos bouches. Seigneur, nous voulons parler de toi, parler de Jésus, ce Sauveur qui nous a réellement rachetés, Seigneur. C'est Dieu qui est si merveilleux, qui est si compatissant, qui est si bon, Seigneur. Seigneur, ton peuple va bientôt sortir, notre Dieu. Je te prie que tu puisses réellement nous garder sur le chemin de retour. Tu as été notre gardien sur le chemin. Tu as été celui qui nous a protégés, Seigneur. Ô Père, alors que nous voulons rentrer, sois avec nous sur la route, notre Père. Protège-nous, Seigneur. Je pense, Seigneur, à ma sœur Lindsay. Je pense à mon frère Basselia, Seigneur. Je pense à mon frère
Rosario, qui vont parcourir des distances, mon Sauveur. Puisses-tu, Seigneur, les garder sur la route, notre Dieu. Que tu sois le bon berger, Seigneur. Que tu sois celui qui veille, ô Père. Que réellement, partout où nous foulerons la plante de nos pieds, que tu nous donnes ce lieu en possession. Certains n'ont plus aucun pouvoir, notre Seigneur. Même dans nos maisons, notre Dieu. Que nous puissions réellement élever l'étendard de Christ et reconquérir chaque territoire, chaque portion, Seigneur mon Dieu, de ce que nous avons perdu, notre Seigneur. Oh oui, notre Dieu, nous savons, Seigneur, que nous avons la victoire en toi, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, Père, que tu as utilisé puissamment aujourd'hui. Seigneur, tu vois que le corps peut être fatigué, Seigneur, mais c'est toi qui restaure, notre Dieu. C'est toi qui rajeunis comme l'aigle, mon Sauveur. Sois avec ton serviteur, Père. Redonne-lui encore de l'huile, mon Sauveur, car il en a besoin, mon Sauveur. Remplis encore sa cruche, mon Sauveur. Ô Père, qui puisse réellement, notre Dieu, être rempli de toi, mon Sauveur, pour que le jour viendra, Seigneur, où nous puissions encore nous tenir devant ta présence et être enseignés encore, notre Dieu. Seigneur, nous te remercions. Béni sois-tu pour ta présence immuable. Merci parce que tu es descendu pour confirmer ta parole, mon Sauveur. Sois avec chacun de nous. Bénis les enfants, Seigneur, qui ont chanté pour toi, Père. Merci pour la chorale, mon Dieu. Bénis, Seigneur, mon frère Jonas. Souviens-toi de mon frère José. Bénis mon frère Marcel. Merci pour notre frère Jacques. Seigneur, jamais assez, nous te remercierons, Père, parce que tu le gardes, tu le protèges, tu le soutiens. Merci parce que, oh Seigneur mon Dieu, tu fais des miracles, mon Sauveur. Sois avec lui, Éternel, là où il est. Oh Père, que la révalidation, Seigneur, c'est toi qui as créé le corps humain, c'est toi qui es capable, Seigneur, en l'espace de quelques temps, Seigneur, pour pouvoir le faire sortir là où il est. Seigneur, sois avec lui, Éternel. Merci pour notre sœur Marie Chantal. Fortifie-la encore davantage, Père. Bénis-la, mon Dieu, mon roi. Oh, tu vois sa foi, Seigneur mon Dieu, et son amour pour toi, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Soutiens-la davantage. Qu'elle soit aussi en bonne santé et bénis ses enfants, notre Dieu. Bénis mon frère Rosario, mon frère Zaché, Seigneur, mon frère Marcel, Père. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon frère Robert. Souviens-toi, Seigneur, mon frère Samuel, mon frère Emmanuel, notre Dieu. Bénis tous les frères dans le service. Bénis chaque frère et chaque sœur. Et même ceux qui étaient en connexion, Père, que les mêmes bénédictions leur soient accordées. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te l'avons ainsi demandé. Bénis les offrandes et les dîmes, Père, que ton peuple a apporté dans ta maison, Seigneur, en obéissant à ta parole, mon Sauveur. Seigneur, que le travail de chacun soit béni, Seigneur. Et que ceux qui n'en ont pas trouvent du travail parce que c'est toi qui donnes. Que ton nom soit loué, exalté à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Avez-vous entendu le son de la trompette? Amen. 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 Une voix claire et forte qui rassemble les élus. Alléluia, gloire à Dieu. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus, car elle habite dans notre cœur. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur.
marcha dans les montagnes de Galilée. Amen. 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 Et le même aujourd'hui qui rendit les élus. Alléluia, gloire à Dieu. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Car elle habite dans notre cœur. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Marchons tous confiants, les cœurs remplis de foi. Amen. 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 Car sa fidélité point de nous décevra. Alléluia, gloire à Dieu. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Plus, car elle habite dans notre cœur. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Car elle habite dans notre cœur. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants. Quand le feu tombe, 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 le mal s'en va.